nous glissons sur la mer de Sulu, aux Philippines, tout au nord de la grande île de Palawan. C'est la première fois que l'équipe Gombessa se retrouve dans le triangle de corail, cette zone de la ceinture Indo-Pacifique où la biodiversité marine est la plus élevée au monde. Nous avons été invités ici pour explorer et pour expertiser une petite île en pleine reconstruction écologique. Cette île s'appelle Pangatalan. Elle a été achetée par un couple de Français qui pensait prendre là une retraite dorée. Il y avait très longtemps que je cherchais un endroit où retrouver la tranquillité, retrouver une vie beaucoup plus naturelle. Je n'avais pas réalisé, en m'installant sur ce petit îlot, qu'il y aurait autant de travail, autant de reconstruction, parce que je n'avais absolument pas réalisé à quel point c'était abîmé. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est tant mieux. Parce que si on avait réellement vu l'étendue de la chose et du travail, on ne se serait pas installé là, une fois de plus. Et je crois que c'était bien. La part d'inconscience qu'on a eue, c'était très bien. La terre refaite, le paysage refait, l'intégration de l'île pour expliquer que l'on pouvait reprendre un petit bout de terrain quelque part, pas changer la face du monde, mais recréer ce qu'il y avait avant, redonner à ce petit bout de terre de l'oxygène, rebâtir ce côté sauvage, ce côté wild. Moi qui allais un petit peu me baigner et visualiser, on se retrouvait avec des poissons ridicules, moins de 500 grammes, plus rien, dévasté. Cela fait 7 ans que Fred et Chris ont acheté cette petite île d'à peine 4 hectares. Et il a bien fallu ces 7 années de labeur, avec l'aide des Philippins, pour faire revivre la végétation. À commencer par la mangrove, qui était coupée pour le bois de chauffage. Cette forêt, les pieds dans l'eau, est essentielle. C'est un rempart. Un double rempart même. Côté terre, la mangrove protège l'île de l'érosion des vagues. Et côté mer, le rempart devient refuge. Le labyrinthe de ses racines est une nurserie pour les jeunes poissons qui, plus tard, peupleront le récif corallien. On a créé cette île, en fin de compte, on était sur un terrain très dégradé, très abîmé. Ben, on a décidé de surtout pas faire marche arrière, de continuer le projet, d'y aller. On a fait ce qu'on a pu, c'est-à-dire enlever les bouts de filet, essayer de contrôler la pêche. Mais il a fallu aller beaucoup plus loin. Et aller beaucoup plus loin, nous, on n'avait pas du tout la compétence. Donc, on s'est allié avec Thomas, jeune biologiste marin qu'on a rencontré à Nido. Thomas est venu, il a fait ses investigations. Et là, je me rappelle très bien de la réponse, c'était « le défi me plaît ». Le défi est immense, mais il me plaît. Ils se sont attaqués à la terre comme des acharnés, avec tout le cœur qu'ils avaient pendant 5 ans. Et la mission, c'était de faire la même chose en mer. Donc, il est venu.
Il a commencé à faire ses relevés, puisqu'avant de démarrer quoi que ce soit, il fallait vraiment qu'on puisse connaître les écosystèmes, comment ils, dans quel état ils étaient, quelles ont été les pressions, quelles sont toujours les pressions sur cette île. Donc pour ça, il fallait faire une carte des écosystèmes, une cartographie. Surtout ici, parce qu'on a des petits fonds. Et en gros, on va prendre la photo aérienne et on va délimiter tous les écosystèmes. Et après, l'état de santé de chacun aussi. Voir où est-ce qu'il faut travailler, où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas. Thomas avait fini ses relevés, fini son identification de l'île. Et l'idée nous est venue d'apporter un plus, de repartir sur refaire cette barrière de corail. Ça voulait dire mettre en place une aire marine protégée, avoir une zone dans laquelle on va dire pendant au moins 5 à 10 ans, il n'y a plus de pêche. Aujourd'hui, si une masse corallienne a disparu parce qu'elle a explosé, comment la remplacer? Donc, on a imaginé créer un reef. Créer un reef, on n'a pas les moyens ici d'avoir une barge, une grue pour prendre des grosses structures et les poser. Donc, c'était trouver quelque chose qui puisse s'emboîter, qui puisse remplir une zone, tout en étant simple à transporter, simple à fabriquer, et essayer d'avoir le plus de composants naturels. Donc on a créé le SRP, le Sulu Reef Prosthesis. On implante notre récif, notre SRP, 1, 2, 3, 4, 5, de différentes tailles. On se recule, on essaie de voir un peu à quoi correspondent les volumes pour que ce soit aussi esthétique, pour pas faire, on n'est pas là pour faire une barrière. Et là-dessus, on greffe. On a commencé aussi à travailler avec des partenaires, d'autres gens qui travaillent sur d'autres choses ailleurs. Et notamment Éco-Océan, qui eux s'attellent beaucoup à la restauration des populations de poissons en fait. Quand on s'est rencontrés et qu'ils sont venus voir le travail qu'on faisait sur place, bah, la première chose qu'ils nous ont dit... Tu vois, ce que j'aime bien moi, c'est les trucs légers, faciles à transporter. C'était que nos récifs marchaient bien pour le corail. Ça pousse, le taux de mortalité il est faible. Donc ça marche. Par contre, nos structures, elles sont assez vides. En fait, la fonction habitat, pour les petits poissons notamment, elle n'est pas là, en fait. Et c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé avec Fred et Chris. Donc du coup, on a suivi leurs conseils et on a décidé, ensemble, de coupler les méthodes, en fait, pour accueillir les petites larves ou les petits poissons. Et donc, on leur a suggéré que si on complexifiait ce qu'il y avait dessous, on pouvait leur donner probablement une deuxième fonctionnalité qui était une fonctionnalité de protéger les petits des gros, quoi. Et donc tout ça a été fait localement, là, sur l'île. Il fallait juste avoir l'idée de remplir la cavité qui était sous le SRP. La mesure après où il est dans l'eau, c'est qu'un positionnement avec le ballon. Avec le ballon, ils vont le descendre exactement où ils le veulent. C'est du béton et de l'acier à béton. Et avec ça, on arrive à fixer les coraux qui sont instables sur le récif, qui sont cassés. On les fixe pour que la repousse soit pérenne et soit sur le long terme. Parce qu'en fait, on voulait vraiment faire quelque chose qui aide le récif existant et qui un jour ne se voit même plus, en fait. On veut juste accélérer la reprise du récif.
Donc nous, l'idée, c'était vraiment de prendre ces coraux qui sont instables, qui sont un peu en galère, quoi, qui sont un peu dans une situation délicate, pour venir les fixer et qu'ils puissent grandir comme ils ont besoin de grandir. En aucun cas, on va piocher dans des coraux qui sont sains, qui sont solides, qui sont stables. Ceux-là, on les touche absolument pas. On s'occupe juste de cette repousse naturelle qui est instable, en fait. Comme dit Chris, c'est de l'utopie, mais c'est un véritable espoir. C'est un bout de terre qui a été détruit. Essayer de lui apporter le maximum d'aide pour que la nature elle refasse son boulot toute seule. Aujourd'hui, on a 98% de réussite sur chaque greffe, sans aucun plastique, sans aucun composant chimique. On est 100% bio. Et l'idée, ben, c'est de retrouver ce reef. S'il en reste qu'un, ben, c'est ça. S'il en reste qu'un, ce sera le nôtre. Espérons. Aujourd'hui, cette méthode est tellement simple qu'elle a été approuvée par le CTI, c'est Coral Triangle Initiative. Donc c'est le bassin corallien de 6 pays dont les Philippines font partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Malaisie nous a contactés, les Maldives nous ont contactés. Et on l'a fait à notre niveau, avec nos idées, en essayant vraiment de respecter la vie, l'océan, le corail. On est là pour changer, essayer de faire changer les choses, tout simplement. Notre première plongée va se faire au bout du ponton qui donne accès à Pangatalan. C'est là que va commencer notre inventaire qui vise à faire le tour de l'île. Un inventaire photographique pour se faire une idée de l'état actuel du récif que Fred et Chris s'évertuent à faire renaître. Ce récif a souffert. Durant des dizaines d'années, il a été pêché à la dynamite ou au cyanure. Ce n'est plus le cas depuis que Fred, Chris et Thomas ont obtenu la création d'une aire marine protégée qui ceinture l'île de Pangatalan sur une largeur de 300 mètres. La vie reprend ses droits. Mais aucun poisson de grande taille, preuve que la protection est récente. Les eaux sont troubles et il est difficile de faire mon travail photographique. Mais la vie est bien là et étonnamment diversifiée. Je cherche à mettre en lumière tous ces rescapés, ces superbes résistants, cette biodiversité qui désormais ne demande qu'à s'épanouir. Il y a d'autres gens qui ont eu envie de venir voir le site, travailler avec nous, apporter leur expertise, leur expérience, leur méthode. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Andromède Océanologie, qui est venu avec sa méthode de photogrammétrie qui est couplée à de la télémétrie. Donc la photogrammétrie, c'est l'art d'assembler des milliers de photos pour en constituer un modèle en trois dimensions. Et nous, on l'a utilisé, on l'a appliqué pour des écosystèmes marins, pour permettre de voir les écosystèmes marins dans leur ensemble. Là,
Oui. Et là, notre objectif, ça serait de pouvoir réaliser une photographie en 3 dimensions où on va pouvoir se balader à l'intérieur sur à peu près 1 hectare. Ça n'a encore jamais été fait. Le grand intérêt pour nous d'utiliser cette méthode ici sur le site, c'est de pouvoir mesurer la résilience et de l'observer également. Puisque du coup, avec cette méthode, on a à la fois un aspect visuel et un aspect de suivi scientifique en termes de données. C'est la prise de vue. On a eu un super tracé là pour le positionnement. Ouais, la télémétrie très, très bien a bien fonctionné. Ah, vous partez poser les filets? Oui. Ok. Bah, nous, on rentre de la photogrammétrie. Je pense que je vais venir avec vous. Ah, super. Je vous accompagner, voir comment vous faites. Ok. Ok, bon Flo, à plus tard. À très bientôt. À tout. Thomas, est-ce que tu sais la profondeur qu'il y a si on s'éloigne de la bouée qui est la plus au nord, là, à côté de la pinacle? Ouais, t'auras à peu près 30 mètres. Parce que le mouillage que j'ai, il est bon pour 25-30 max. Hein. Ok. Donc bah, je veux pas être trop long. Je veux pas être trop long, quoi. Bah, on va regarder avec l'ancrage, on va descendre ça tranquillement. Ok. Pour voir si au niveau profondeur, on est bon. Pas de soucis. On envoie le matos. Allez. Là, il y a 24 heures d'éclairage. 24 heures d'autonomie. Et donc, comme on les met maintenant à 6 heures et qu'on va les chercher demain à 6 heures, ouais, on est large, mais on tire pas trop sur la batterie. Les récifs ont été plus ou moins dégradés. Hein. Aux Philippines, avec la pêche à la dynamite, tout ça, on a quand même des zones de récifs sur lesquelles l'habitat a été pas mal dégradé. Du fait de la surexploitation des ressources des poissons, donc il y a moins de géniteurs qui produisent moins de larves. Et donc là, ben finalement, il y en a moins qui arrivent à passer ce cycle du très jeune stade. Nous, on est venu sur l'île là pour pouvoir montrer et transmettre la manière de pêcher des larves, donc d'installer les engins la nuit, de les récupérer le matin. Et l'idée, c'est de utiliser ces larves, de les faire grossir pendant quelques semaines, quelques mois, pour leur faire atteindre une taille qu'on appelle une taille refuge, un peu plus grande. Et une fois cette taille atteinte, on les réintroduit dans le milieu. Et ça pour booster l'écosystème, pour aider finalement l'écosystème à se régénérer plus vite, quoi. Donc on est vraiment là pour intervenir et booster l'écosystème. Au cours de cette première plongée de nuit, nous découvrons enfin l'ambassadeur des lieux, un animal atypique et surprenant qui
qui pourrait devenir le symbole de ce paradis en convalescence. La limule, ce gros arthropode marin qui n'a presque pas évolué depuis 200 millions d'années. Voilà. Hop. Ça c'est magnifique hein, quand même. T'as vu ça? Ça fait moins d'un centimètre ça. C'est vraiment de la miniature et c'est très fini. J'imagine pas qu'un poisson comme ça peut nager à contre-courant pendant des kilomètres et des heures et des heures et des heures. Dans le lagon. C'est celui, d'accord. Ouais. Donc tous ces poissons là, on les a gardés pour que Julie puisse écouter s'il faisait un peu de. Voilà, c'est pour toi ça. Ok. Tu crois que ça fait du bruit, les petits poissons comme ça? Eh ben, je crois que ça fait du bruit, c'est sûr que ça entend. Ah oui. Les sons. Et toi, Julie, tu penses que le son peut avoir un rôle sur le recrutement des poissons sur le récif? Ouais, ça c'est déjà prouvé que le son des animaux benthiques, donc des crabes, des oursins, des crevettes, a un rôle d'attraction sur les larves, les post-larves de poissons. Jusqu'à 10 km de la côte, on entend le son d'un récif, d'une île comme ça. Et est-ce que ça va jusqu'au fait que. Un récif en mauvaise santé a une signature sonore différente qu'un récif en bonne santé. Et est-ce que du coup ça peut avoir aussi un effet presque pervers, c'est-à-dire qu'un récif abîmé, du coup il va moins recruter qu'un récif en bonne santé? Alors un récif en bonne santé n'a pas la même signature sonore qu'un récif en mauvaise santé, ça c'est prouvé. Après les conclusions sur le fait que les poissons sont attirés différemment par des récifs en bonne santé, mauvaise santé acoustiquement, ça c'est encore une autre question. Ok. En tout cas, l'acoustique, c'est vraiment le nouvel axe de recherche qui est génial pour comprendre ce qui se passe dans des récifs. Et c'est valable aussi en milieu tempéré. Quoi. Ouais. Les oreilles de la bioacoustique ont besoin des yeux des plongeurs. Nous allons aider Julie à trouver les animaux dont elle cherche les sons, à commencer par la limule. Est-ce que les limules ont une signature sonore qui les caractérise? Si c'est le cas, notre étude pourrait permettre à terme de chiffrer la population des limules avec un simple microphone. Pour l'instant, les plongeurs restent irremplaçables. Le son a encore besoin des images, et c'est tant mieux. Nous savons désormais comment repérer les limules dans les eaux troubles des fonds vaseux. Leurs traces s'effacent avec le courant. Aussi, il faut aller très vite pour remonter leurs pistes. Ce décor inhabituel est loin des standards de beauté des récifs coralliens. Étrangement, je trouve qu'il correspond bien à cette créature d'un autre temps. Malheureusement, les limules sont surpêchées dans de nombreuses régions du monde pour les besoins de la pharmacopée qui utilise les propriétés uniques de leur sang bleu. Julie pose un émetteur sur la queue d'une limule et la place pendant 48 heures dans un enclos où chaque angle est muni de microphones. C'est la seule méthode pour isoler et distinguer le son de la limule du brouhaha sous-marin.
ligneuse? Ouais, allez, venez. Asseyez-vous, les amis. Montre-nous ça, alors. Donc ça y est, on a les premières tuiles assemblées de la photogrammétrie. Et regarde, et dès qu'on le met en 3D, on peut commencer à aller se balader aussi bien sur le dessus, ouais, voir les petits crinoïdes, que d'aller sur le dessous. On en est à pouvoir mesurer le nombre de pores sur les éponges. La définition, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable de beauté. Hein. Entre l'éponge et le corail, et tu tournes autour comme un bouquet de fleurs, là, ça c'est... Pour nous, c'est un outil incroyable aussi pour mesurer l'efficacité de nos méthodes de fixation du corail et de restauration, oui, puisque du coup, on peut avoir des calculs volumiques, on peut avoir une évolution de texture, on va pouvoir observer l'intégration des récifs au sein du récif naturel. Dans 5 ans ou dans 10 ans, on refait le même modèle, tu les vois plus. Tu vois plus les serpents, tu n'as plus qu'une grosse boule de corail avec pareil, vivant. C'est génial. Et dans l'idée pour toi de devenir une plateforme scientifique à Sulubai de suivi des coraux, ça c'est autant d'indicateurs, c'est une vraie réalisation d'un état initial. Et ce sera intéressant de revenir dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, et de voir à la fois les SRP, comment les coraux ont poussé, est-ce qu'elles ont grandi en nombre, est-ce qu'elles ont grandi en taille, comment ont évolué les filtreurs. Superbe. Bon, il reste à faire tous les autres. Photographier le monde sous-marin, là où il est le plus beau, est un privilège, mais c'est aussi une facilité. Ici, c'est différent. Je ne suis pas devant un monument de la nature, mais bien devant les fondations d'un jardin en reconstruction. L'exercice artistique est plus difficile, mais plus qu'ailleurs, sans doute, il est nécessaire. Catalane, c'est 4 hectares, c'est perdu, c'est ce qu'on appelle de l'as frontière ici, il n'y a plus rien après nous, il n'y a plus rien, c'est la mer de Chine, c'est le Vietnam, on est la dernière île des Philippines, et Laurent accepte de faire une mission exploratoire sur la Limule, et il a apporté ce petit plus, et si à Paris, si en Suisse, si en Belgique, si de partout ailleurs, ben, on peut parler des Limules de Pangatalane. Eh bien, on parlera automatiquement de la restauration corallienne. Et nous, c'est un grand merci. C'est un grand merci. Il y a le rêve, il y a un rêve encore derrière. C'est parce que ces décors ont souffert et sont convalescents qu'ils m'inspirent. Les illustrer, c'est tenter de montrer comment l'océan, toujours, offre une chance à la vie. Un peu à l'image de cette limule qui a traversé la nuit des temps sans jamais disparaître. Puisse l'île de Pangatalane suivre le même chemin.